Sur place à l'usine de Miro System, à Séoul, en Corée du Sud, où ces matériels sont fabriqués, c'est déjà la dernière étape de production des bulletins de vote personnalisés. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante, en mission en Corée du Sud, conduite par le directeur Jean-Baptiste Isipo, a suivi toute la procédure de fabrication de ces bulletins de vote personnalisés qui se fait en trois grandes étapes, à savoir la zone de l'impression avec le QR code par circonscription électorale, la zone de vérification et collation et enfin le conditionnement avant la palettisation, le filmage et le transfert dans une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport international des Chiens de la direction logistique de la CENI. L'équipe managériale dirigée par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, qui suit de près l'évolution de la production de ces matériels sensibles, insiste sur le caractère personnalisé de bulletins de vote par circonscription électorale. Autre travail pas moindre qui se fait à l'usine Miro System, c'est le conditionnement des bulletins de vote personnalisés avec des étiquette spécifique et la mise en plastique pour éviter tout désagrément dû aux intempéries. Avant d'être empaqueté, chaque lot de bulletins de vote est minutieusement vérifié par une équipe d'experts qui s'assure que le QR code correspond réellement à ce qui est sur le paquet du bulletin. Ainsi, s'ensuivra l'étape de la mise en carton. Chaque carton contient précisément 15 paquets de 250 bulletins de vote. À l'étape de la palettisation des cartons de bulletins de vote, la page de couverture qui facilite la distribution indique le hub logistique principal, la province, la circonscription électorale, le nombre de bulletins de vote à l'intérieur, une carte d'initialisation du DEV, une carte d'ouverture, une carte de transmission et une carte de clôture de vote. Sachez que la base d'une palette de bulletins de vote est de 32 cartons. Toutefois, une palette peut contenir un ou deux cartons. Ces palettes, une fois filmées, sont directement transférées à une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport direction la République démocratique du Congo. Il faut noter que les élections du 20 décembre 2023 sont irréversibles et que la centrale électorale ne ménage aucun effort pour la réussite des scrutins.